On y était mi-avril. Donc on est arrivé en Islande mi-avril. Le 18 avril. C'était un point important dans notre voyage parce que c'était quand même le plus loin. On quittait l'Europe et le plus froid aussi. On avait échangé sur des groupes Facebook avec d'autres voyageurs en Islande. Et tous nous avaient dit, mais j'espère que vous êtes préparés pour le froid, que vous avez du bon matériel. Et du coup, on avait un peu en tête de leur prouver qu'ils avaient tort. Et on est arrivé dans un espèce de brouillard, on n'y voyait rien du tout. Et moi, j'hésitais à continuer, mais toi, tu m'as dit quand même que tu ne te sentais pas en sécurité, qu'il valait mieux se poser. Alors on s'est posé, on a planté la tente dans ce brouillard, et le lendemain, on était content d'avoir pris cette décision parce que le brouillard s'était levé et franchement, le décor, il était incroyable. Il y avait vraiment ce truc où on mettait pas de musique. Et c'est assez rare parce que souvent il y a des routes où on s'ennuie et sans la musique ou sans les podcasts, ben ça devient vite long. Et vraiment en Islande, pendant très longtemps, voire même tout le séjour en Islande, on n'a même pas eu besoin de mettre de la musique tellement on était surpris à chaque virage. On connaît pas ce genre de météo, c'est vraiment unique. Et on pensait qu'on connaissait avec le Mistral à Marseille, mais c'était
J'étais naïf un peu. Très naïf. On voulait en plus un peu plus chargé que d'habitude parce que sur plusieurs jours, bah, fallait qu'on ait de quoi manger. Donc on arrive dans cette péninsule. Donc oui, le vent commence à vraiment devenir de plus en plus puissant. La pluie s'ajoute aussi. Et le vent était tellement puissant qu'il fait tomber Flavien devant moi. Et voilà, très vite, je panique, parce que je me dis que je vais y rester, en fait. C'est pas possible autrement. Ce vent va me tuer, voilà. Je suis vraiment partie en crise de panique, à pleurer, complètement tétanisée. Flavien me voit dans cet état, donc il fait le choix d'arrêter une voiture et que cette voiture puisse m'amener à la seule maison qu'on voit au loin. Je toque. Et voilà, j'étais complètement trempée et j'essaie d'expliquer en quelques mots voilà, si on peut planter la tente dans leur abri parce que ça avait l'air d'être une ferme avec pas mal de granges. D'un coup, je me retrouve sous trois couvertures. La petite fille me caresse la main en me regardant d'un air compatissant. Et voilà, c'était vraiment un moment magique, encore une fois. Au plus les moments sont difficiles, au plus la récompense et les rencontres derrière sont... Voilà, au niveau, et elles sont juste incroyables. Non.
Donc on arrive à Husavik et voilà, c'était un peu le débat de se dire est-ce qu'on allait observer les baleines ou pas. C'était vraiment ambivalent comme sentiment parce que effectivement c'est magnifique d'imaginer ces animaux en dessous de nous et puis de juste les apercevoir et tout ça, c'est quand même beau. Mais voilà, on sentait que payer pour assister à ça, ben, c'est un peu tricher. Oui, il faut dire aussi qu'on cherchait absolument des campings parce qu'elle disposait d'une salle commune chauffée où on pouvait rester des heures, nos seules heures au chaud. Oui, parce que les températures, c'était quoi? Entre moins 5 et moins 10, moins 11.
Je me souviens, ça devait être une période du voyage où on devait se sentir un peu fatigué de l'intensité de tout ce qu'on vivait. C'est pas que c'est pas des bons moments, c'est justement que ce sont de trop bons moments. Et du coup, c'est difficile à encaisser. Et puis là, voilà, l'Islande, vraiment, on l'attendait. C'était un point important dans notre voyage. Ça a été vraiment une claque. En termes de paysage, d'ambiance, de conditions extrêmes aussi pour pédaler. T'as les chevaux sauvages, t'as les oiseaux partout, des oiseaux qu'on n'a jamais vus ailleurs. J'avais lu quelque part que les gagnants du loto, ça leur fait un gros choc quand ils gagnent. Un gros choc positif sur le moment, mais qui après, avec le temps, déprécie tout autre événement positif parce que tu le compares au gain du loto et du coup, tout paraît plus fade.
Et je trouvais ça intéressant et j'avais peur que l'Islande, ça soit ça pour nous. Que suite à l'Islande, tout soit moins intéressant, moins beau, moins intense. Et voilà, dans le ferry déjà, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre d'égal ou même de plus beau que ce qu'on vient de vivre là? C'était tellement unique. Et quand les gens me demandent mais quel a été votre moment préféré du voyage, votre endroit préféré du voyage, mais bien sûr que c'est toujours l'Islande.